René Grandmont, bonjour. Bonjour. Alors, on est aux travailleurs Eh oui. catalans. Donc, travailleurs catalans, est-ce qu'on dit toujours que c'est un journal communiste? Ou. C'est marqué, autant que je me souvienne, l'hebdo communiste des Pyrénées Ouais. orientales. Ceci étant, c'est plus, je dirais, le tract de la Fédération communiste des Pyrénées orientales. On s'ouvre absolument à tout ce qui aujourd'hui souhaite un changement de société, est antilibéral, etc. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve le comité de rédaction, où une proportion importante des rédacteurs n'est pas membre du Parti communiste. D'accord. Alors, fondé par André Marty dans les années 30, 36. 36, En 36. Ça fait voilà. 80 ans. Alors, oui, donc André Marty, Perpignanais, Oui. mais numéro 3 du Comintern, Oui. mutiné de la mer Noire Noire, sur le oui. croiseur Aurore où il Ouais. était officier C'est ça. mécanicien. Et alors, un Perpignanais vachement connu puisqu'il était chef des brigades internationales. Oui, il a été responsable politique dans les brigades internationales, Voilà, oui. on l'a un Parce peu que, qualifié de boucher d'Albacete, mais. oui, ça lui a valu la haine de tout ce qui compte, de tous les fascistes et de tout ce que comptait la droite, évidemment. Ouais. Alors je dis pas que c'est un homme parfait, les hommes parfaits, ça n'existe pas, c'est pas de ce monde. Oui, puis là. Mais ceci étant, c'est vrai que ça a été un vrai révolutionnaire. Il a eu le courage de s'opposer à l'intervention française contre la jeune République soviétique. Et il a aussi été un élément important. Peut-être qu'il faudrait revoir un peu son histoire, parce qu'il était un élément important de la vie du communisme, c'est vrai. Alors, tant qu'on est là, Fidel Castro est mort. Est-ce que Oui. vous allez faire un numéro spécial? C'est pas dans Viva les. Cuba! Non, mais c'est pas prévu, parce que tout simplement, Fidel Castro n'est Avec un pas. cigare offert, comme dans Pif Gadget. Voilà. Non, c'est pas prévu, parce que Fidel Castro n'est pas catalan. Ouais. Je pense que si Fidel Castro avait été originaire des Pyrénées orientales, on aurait fait plus qu'un numéro Mais spécial. le libérateur de Cuba était catalan, José Oui, Martí. José Martí, oui, mais C'est un pas catalan Fidel. qui a libéré Cuba Voilà. la première fois. Mais bon, et le deuxième qui a libéré Cuba, c'est quand même Fidel. Ouais. Et bon, on peut toujours trouver là aussi des défauts. Ceci étant, ceux qui viennent nous parler du dictateur féroce, de la torture et tout, je signale quand même qu'à Cuba, le seul endroit où il y a vraiment des dictatures, c'est Guantanamo, Oui, et c'est oui. sous l'autorité des USA. Oui, c'est vrai que Guantanamo, c'est Cuba aussi, et Et voilà. enfin, c'est bien de le rappeler, mais il ne devait pas le fermer, Obama, le Oui, prix bah oui, Nobel on de nous la a paix, promis, là. mais ça continue, malheureusement. Alors que les Cubains, c'est quand même le pays d'Amérique aujourd'hui où il y a le meilleur taux au niveau de l'enseignement, le meilleur taux au niveau de la médecine, et que ce pays, malgré le blocus, a continué à aider des tas de pays à travers le monde, en envoyant des médecins en Angola, en envoyant des médecins en Amérique latine, etc. Et en Afrique du Oui, Sud. en Afrique du Sud aussi. Fidel était un grand pote de Mandela. Exactement. Mais c'était. D'ailleurs, posons-nous la question, on nous présente ça comme un dictateur, il faut quand même penser qu'un des premiers chefs d'État que Mandela a été voir, c'était Fidel Castro. Fidel Castro avec Arafat, Fidel Castro avec. Voilà. Donc. Alors, on est là parce que donc il y a un numéro spécial. Oui. Donc aujourd'hui, on a vu du polar, on a mangé. Oui. Alors, c'est Noël et tout communiste qu'est le travailleur catalan. On va bien bouffer quand même en fin d'année, Mais ça fait grâce pas. aux travailleurs. Mais oui, mais ça fait partie, les travailleurs ont le droit à des loisirs, les travailleurs ont le droit à être en famille, à bien manger, à boire des bons vins, etc. Justement, je pense que ce libéralisme, c'est ça qui veut interdire aux travailleurs, en les faisant travailler, de plus en plus, en leur payant les salaires de plus en plus bas. Mais tout le monde a le droit d'être heureux et d'avoir des plaisirs, et c'est fait partie des plaisirs de la vie. Et je vois pas pourquoi il y aurait que seulement les nantis qui auraient le droit de faire des fêtes en fin d'année, de se retrouver en famille autour de bons plats, de bons vins, etc. Et le travailleur catalan veut jouer aussi cette carte-là. C'est pour ça que depuis 4 ans, on sort un numéro spécial qu'on appelle Papillon Fête. Cette année, c'est sur Marimount, Ouais, la mer et la donc montagne. voilà. Et donc, c'est pour rappeler un certain nombre faire la promotion d'un certain nombre de produits qui sortent de nos départements au niveau de la gastronomie, au niveau des vins, etc. Alors, il y a un article sur le Rodsio sec Oui. et il y a la tornade rousse, c'est-à-dire Gaël Roland Et qui a oui. accompagné, donc qui a été un compagnon de route du Parti communiste, on peut le dire. Ah, vous lui ferez dire si vous voulez, mais elle a été surtout un compagnon de route du caveau catalan à la fête de l'humanité. À la fête de l'humanité, depuis un certain nombre d'années, on a dans le stand, outre le service de tapas, le bar normal, etc., ce qu'on appelle un caveau. Alors comment cela se fait-il? C'est dans les mois qui précèdent la fête, les camarades vont chez les vignerons, dans les caves, demander si ils acceptent de nous donner quelques bouteilles, quelques cartons.
Et ce qui nous permet d'emmener tout ce vin et de le vendre au verre ou à la bouteille, de faire déguster les vins du Roussillon à la Fête de l'Humanité, aux 600 000 personnes qui passent à la Fête de l'Humanité. Cette année, on a à peu près une soixantaine de vignerons qui ont accepté de nous faire confiance et de nous donner de leurs produits. Et on a vendu un peu plus de 800 bouteilles au stand. Et on a eu le plaisir, je le dis, de recevoir, de voir arriver le vendredi, l'ouverture de la fête, Gaëlle Roland, donc, qui est directrice commerciale au cilier de la cave coopérative Château de Peine, ouais. À Casse de Peine, et qui s'est régalée. Elle découvrait la fête et elle s'est régalée de la convivialité, de l'atmosphère qui régnait dans cette fête. J'en veux pour preuve qu'elle devait passer toutes ses nuits à l'hôtel et qu'à partir du samedi, elle a décidé de passer toutes ses nuits avec nous, ouais, dans le stand, de manière évidemment très spartiate et tout, c'est vrai, mais avec la bonne humeur et puis le plaisir de se retrouver entre, pas qu'entre communistes, mais disons entre gens de bonne compagnie et heureux de vivre et heureux d'échanger. Voilà. Oui, parce que quand on est communiste, on a des doutes sur le fait qu'il faut attendre la vie d'après. Ben, oui, on a plus que des doutes et c'est pour ça qu'on se bat, pour que les gens, ça soit aujourd'hui qu'ils aient leur plaisir, qu'ils trouvent leur joie, etc. Et ce que je trouve scandaleux, c'est que, par exemple, on ne montre, les médias ne montrent pas... ne montre pas assez ce que sont les programmes, par exemple, des prochains candidats aux élections présidentielles. Qu'on explique aux gens comment va se traduire le programme de M. Fillon, et je ne parle pas de Marine Le Pen, parce que oui, ça va être encore pire, dans la vie de tous les jours, je trouve ça scandaleux, parce que dans la vie de tous les jours, ça va être moins de joie, ça va être encore plus dur pour finir les mois, ça va être des fêtes encore plus difficiles. Il y a déjà des millions de gens, aujourd'hui en France, pour qui la fête de Noël, on est obligé de compter, on est obligé de mettre quelques sous de côté pour dire que ça ne va pas être le plat de pâtes ordinaire. Et je trouve ça, dans le monde, la richesse qu'il y a aujourd'hui, je trouve ça scandaleux, quoi. Ben oui, mais ça a l'air de marcher, parce que en même temps, on nous dit la France veut Fillon. Si je veux, il y a que 4 millions de personnes qui ont voté. Hein. Mais on verra. Les choses, à mon avis, les choses peuvent changer. Les choses sont loin d'être jouées. J'ose espérer qu'il y aura vraiment un rassemblement de la vraie gauche, hein, de la gauche antilibérale, et qui permettra d'empêcher l'arrivée de la droite revancharde ou de l'extrême droite au pouvoir. Déjà, les adhérents communistes sont soutien de Mélenchon. Oui, il y a eu un vote très démocratique. Moi, je dois avouer, par exemple, que je suis responsable de ce qu'on appelle une section, un secteur du département. Il y a eu une assemblée générale où il y a eu un débat. Chacun avait des positions très, très argumentées, mais un débat très serein avec une volonté de comprendre les arguments des autres et tout. Moi, j'étais très impressionné par la maturité dont ont fait preuve les adhérents du parti à cette occasion. Il y a eu un vote. La majorité, pas énorme, mais une majorité a choisi de tout de suite soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon en disant qu'on garde une campagne autonome, oui, et avec la volonté de largement rassembler, c'est-à-dire que ce rassemblement, on ne s'arrêtera pas à Jean-Luc Mélenchon, je dirais qu'il faut qu'on arrive à se rassembler largement sur une candidature antilibérale. Bah, il y a des Montebourg, il y a des Hamon. Mais c'est ça le drame, c'est qu'il y a, à mon avis, il y a un peu trop d'ego dans cette histoire et que c'est l'intérêt des gens qui devrait passer en premier. C'est la ligne qu'on suivit depuis le début des communistes. Et quand la question s'est posée de faire un choix début novembre, c'était quelle était avec cet objectif de rassembler largement, quelle était, je dirais, la meilleure stratégie dans les conditions où on était. Évidemment, on aurait pu souhaiter que ça se passe autrement, mais on était dans un certain nombre de conditions. Les communistes sont tranchés, ils mèneront la bataille des présidentielles sur leur mot d'ordre, dans le soutien à Jean-Luc Mélenchon, de manière offensive, parce que nous avons la volonté d'empêcher la droite et l'extrême droite de venir au pouvoir. Et aussi que la politique menée actuellement par le gouvernement Hollande et puis Setteveis et maintenant son successeur, c'est la même chose, que tout ça s'arrête. Ça fait des années que ça dure. Oui, parce que la loi El Khomri, c'était pas sous Sarkozy. Et non, je suis bien d'accord. Je veux dire, son ennemi, c'est la finance. Non. Mais non, il a complètement trahi. Et ça, c'était la cerise sur le gâteau, quoi, parce que. Mais ils ont complètement trahi leurs engagements. Ils sont aujourd'hui dans une optique libérale. Alors évidemment, il y a un aspect social que n'aurait pas Fillon ou que n'aura pas Marine Le Pen. Ah oui, où ça? Non, parce que dis-le-moi, parce que moi, j'ai pas vu. Non, on dit social. Non, social. Oui, je me suis trompé. Voilà. Je devrais dire plutôt sociétal. Oui, voilà. Mais on n'est pas tous concernés. Mais le problème, c'est que la vie de tous les jours, des millions de chômeurs, la vie de toutes ces familles en difficulté, elle est loin de s'améliorer. Et que les mesures qui sont prises, l'alignement sur les directives européennes
sans aucune volonté de s'opposer au choix de Ah ben, il Bruxelles. avait dit qu'il renégocierait. Il n'y a eu aucune renégociation, etc. Et on voit bien, ça mène absolument tous les pays, tous les peuples dans le mur. On voit ce qui s'est passé en Grèce, on voit les difficultés qu'il y a dans tous les pays. Et la seule chose que ça amène, grosso modo, c'est une montée de l'extrême droite, ce qui est quand même dramatique. Et puis, bon, il faut reconnaître, il s'en est vanté, alors même si aujourd'hui il s'oppose comme un rassembleur, mais il me semble bien qu'à une époque, Manuel Valls, pardon, s'est vanté de dire il y a de gauche et d'avoir brisé la gauche. Oui, l'homme des gauches irréconciliables, voilà. Disait-il. Et voilà, et donc, oui, ben. Non, on ne peut pas être d'accord avec la politique qui a été menée depuis 5 ans par ce gouvernement. Et donc, on souhaite qu'il y ait un large rassemblement. On a choisi de soutenir donc Jean-Luc Mélenchon. Mais sur nos propres mots d'ordre, dans notre indépendance, mais ça n'empêche pas les débats, hein, et aussi, par exemple, se battre sur les élections législatives. Parce que ce qu'on souhaite, c'est aussi qu'il n'y ait pas que le président de la République. On sait très bien que ce sont les députés qui font les lois. Et... plus il y aura de députés Front de Gauche et de députés communistes au Parlement, plus on aura des points d'appui pour que les choses aillent dans le bon sens. Et donc, il y a aussi les législatives. Il ne faut pas l'oublier. C'est vrai qu'il y a une présidentialisation outrancière. Alors là, c'est déjà une exception. Ouais. Mais aujourd'hui, ça tient son summum. On voit bien que la Ve République c'est le cas arrive, dans là, le ouais. mur, arrive dans le mur. Il n'y a plus de démocratie, etc. Et il faut que là-dessus, évidemment, on se batte. René Grandbon, merci. Il n'y a pas de quoi.